Bah si, c'est Sébastien. Et comment ça va? Vous allez bien? Eh ben ça va bien, très bien, et vous, et vous-même. Excellent, Alors, excellent. Je vous je vous écoute, mon souhaite cher une ami. bonne année, donc. Ah, merci beaucoup, merci. Et bonne année pour vous aussi, puisque il y a déjà 1400, 1500 ans, c'était votre nouvel an aussi, hein, en France, en Europe, Eh partout. oui, d'accord. Alors, comment on le souhaite? Parce que bon, nous, on se souhaite la bonne année de manière un peu moderne, quoi. Mais qu'est-ce que cette célébration du nouvel an perse, je veux dire, entre les personnes, comment ça se fait? Et Et bonne pareil, je question. veux dire, on se souhaite bon la félicité, le bonheur, la santé, ou il y a. Oui, mon cher, vous savez, déjà, je vais vous dire que nous fêtons pendant 13 jours, 2 semaines. Et toutes les traditions que vous voyez dans le fête de Pâques, les chrétiens et les juifs, ils le voient dans le fête de Pessah, que je félicite tous les juifs du monde entier, puisqu'aujourd'hui, c'est fête de Pessah aussi. Pessah, c'est pendant une semaine. Ils ont emprunté de la Perse. Pâques aussi, c'est emprunté de la Perse. Fête de Pâques. Nous fêtons le premier jour de printemps pendant 13 jours, 14 jours. Et 13e jour, les gens ils sortent pour faire le pique-nique. Et comme vous avez pu entendre, je vous ai dit, nous sommes dans l'année 7759, c'est-à-dire 2000 ans, Jésus est né. Même avant Jésus, cette fête de Pâques et Perse, Nowruz et Nouvel An, ça existait. Actuellement, il y a quelques jours, des décalages concernant fête de Pâques, Pessah, avec fête de Sis d'Abedar, c'est-à-dire 13e jour de printemps, que c'est la fin de fête chez les Perses. Vous savez, ça vient d'où ce décalage? Votre question était très intéressante et vous allez apprendre, mes chers amis, énormément de choses ce soir en 2 mots seulement. Alors, nous calculons l'agenda, le calendrier, puisque je fais depuis 35 ans notre agenda perse. Notre calendrier, tous les calendriers du monde, c'est fait ou par calculé par la Lune ou calculé par le Soleil. Alors, pour ça, vous avez toujours un décalage parmi le peuple. Par exemple, 21 décembre, c'est jour Noël persan, mais c'est le 25, c'est Noël chrétien. Mais Noël aussi, c'est le jour de naissance de Mitra. Ce n'est pas le jour de naissance de Christ. Et fête de Pâques et fête de Pessah, par exemple, Moïse, il dit, allez, on va faire notre pique-nique, monsieur Pharaon, tu nous autorises, demain on va partir faire notre pique-nique. Il part, il prend les Juifs et il sort de la ville et il ne rentre pas. Et ce qu'on fait depuis des siècles, c'est-à-dire 13e jour de printemps, vous allez voir, les Perses, le Tadjikistan, le Kurdistan, l'Afghanistan, l'Arménistan, tous ces pays-là, Gurdistan, même Georgia, ils vont sortir faire leur pique-nique, ils font ça. Pendant 13 jours, et ensuite, bien sûr, plein de jours, plein de santé. On rénove la totalité de la maison, on achète des vêtements neufs pour les enfants, on leur donne cadeau comme Père Noël, que c'est Père Mitra. Père Noël, c'est Père Mitra, ce n'est pas Jésus, c'est Père Mitra qui donne cadeau aux enfants, il donne cadeau aux enfants, mon cher ami. Et pour finir à ce sujet-là, et je vous écoute, voyez, on était, quand on voulait remplacer la fête perse, Nowruz, la fête de Mitra en Europe, et remplacer et mettre l'année chrétienne et tout ça, ils étaient tellement pressés, pressés, qu'ils ont fait une grande faute, une erreur énorme, que jusque maintenant ça existe. Regardez, dans le calendrier perse que moi je l'ai fait, et nous sommes dans l'année 7759, mois de décembre, c'est le 10e mois de l'année perse. Mais en France, on dit décembre, mais c'est le 12e. Mais il doit être 10e, puisque 10, 10, décembre, c'est 10e mois. 9 novembre, 9e mois de l'année, mais le 11e. 8 octobre, septembre, septembre, il doit être 7e mois de l'année, 7. Septembre, mais il est 9e. Il y a 2 mois qu'ils étaient tellement pressés à l'époque pour changer ce calendrier et le remplacer, patati patata, qu'ils ont oublié, comme quoi, qu'est-ce que ça veut dire septembre, décembre et novembre, oh, c'est mal placé. Voilà, mon cher ami, je vous souhaite aussi bonne année, bonne fête de printemps et je vous écoute.
Attendez, parce que j'ai un autre appel et je suis... Vous m'entendez ? Bien sûr, on vous entend bien. Oui, oui, je vous entends bien. On vous entend bien, oui. Ah ben c'est vrai que là, c'est un éclairage nouveau que vous m'apportez, là, sur, ben, sur tout simplement le mois de septembre. Parce que, bon, on voit bien que, voilà, tout remonte au zoroastrisme. Alors, il y a quelques temps, il y a plusieurs mois déjà, vous aviez fait aussi la correspondance entre les fêtes chrétiennes, avec les fêtes chrétiennes et le culte de Mitra. Alors, c'était très intéressant. Et puis, ben, je tenais à vous remercier aussi, Monsieur Abbassi, pour tout ce que vous partagez sur Instagram, hein, de votre culture, de votre actualité, de l'actualité que vous partagez sur l'Iran. Je veux dire, c'est très enrichissant. Moi, je sais que ça me plaît beaucoup. Je vous remercie pour tout ça. Je veux dire, c'est toute cette culture perse. Alors une petite question. Quelle est la place du... Alors, comment est-ce qu'on doit dire zoroastrisme, mazdéisme, mitraïsme? Comment on peut désigner au mieux le culte du feu, je veux dire? Oui, bonne question, mon cher ami. Très, très, très bonne question. Vous savez, déjà, suite à mes recherches, c'est spécialement ces recherches de David Abbassi qui est tamponné et signé par plusieurs conférences internationales, par les grands chefs de Zoroastrian mondial. Et moi, j'avais donné cette idée-là qu'il n'y avait pas seulement un seul Zarathustra. Nous en avions plusieurs Zarathustra dans l'histoire, c'est-à-dire chaque fois qu'un philosophe, un savant, il venait pour réveiller les gens, il s'appelait Zarathustra. À l'époque, il venait tous les 100 ans, tous les 1000 ans, et jamais il ne disait pas qu'il était descendu par le Dieu du ciel. Jamais il ne disait pas que mes paroles, ces paroles divines, c'est le Dieu qui met dans ma bouche. Il disait que je suis bien pour vous veiller, pour vous réveiller, pour vous dire que votre cerveau et votre âme, deux choses, l'âme et votre cerveau, doivent bien fonctionner. Alors, le premier, mon cher ami, c'était Mitra. Le premier Zarathustra, c'est Mitra. C'est celui qui descend de montagne, de Pamir. Pamir, il est actuellement à Tadjikistan. Je salue mes amis en Tadjikistan, puisque même en Tadjikistan, les gens ils sont en train de nous écouter. Ils comprennent le français, une partie des gens, des professeurs, des étudiants. Alors, Pamir de Tadjikistan, il y a déjà 7700 ans, Mitra, il va descendre. C'est le premier philosophe savant. Après les autres, on va les nommer Zarathustra. Le premier vit dans la cité. La première cité va être créée par les gens de Mitra. Et après, ça va élargir et Mésopotamie va arriver. Mésopotamie, c'est le fruit des idées, des pensées rationnelles de Mitra. Rationnel, ce que je vous précisais, il croyait à l'âme, l'esprit saint de l'homme. Et le cerveau. Mais jamais il ne dit pas que je suis envoyé par le Dieu. Alors après, vous avez Mitra, et après vous avez plusieurs, 5 ou 6 ou 7 Zarathustra. Et pourquoi je dis qu'il y avait plusieurs Zarathustra? Puisque quand je fais des études dans l'histoire, je fais des recherches, je vois Platon, Pythagore, Socrate, tous les grands philosophes qui n'existaient pas en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage de 50, 200, 200 ans entre chaque grand ancien philosophe. Tous ces gens-là, ils parlent de Zarathustra comme leur maître. C'est-à-dire, chaque fois, il y avait la Bible, quand il commence par la lumière. Pour la lumière. Et Torah aussi, il commence par la lumière.
Lumière de Zarathustra. Il dit, il avoue la lumière, il avoue que c'était bien, etc., etc. Vous savez mieux que moi. C'est-à-dire la lumière de Zarathustra, si vous le voyez partout, et surtout cette lumière de Zarathustra que vous le voyez à la main des statues de la liberté à Paris, et à New York, torche qui est à la main, et ce que Napoléon aussi, il met sur place Arc de Triomphe, soldat inconnu, place Charles de Gaulle étoile, et le plus important, ce que tout ça, l'autre main des statues de la liberté, puisque le fabricant était un disciple de Mitra, l'autre main, c'est quoi? C'est Avesta. Voilà, c'est ça la réponse à votre question, mon cher ami. Tous ces gens-là, ils sont disciples d'Avesta. Avesta, c'était 120 livres, 120 livres, la bibliothèque qui était écrite par tous les Zarathustra, y compris Mitra. Ses idées, c'était écrit dans 120 livres, c'était une bibliothèque, ce n'était pas un seul livre, comme les livres saints qui existent partout. C'était 120 livres sur plusieurs sujets variés, qu'ils soient philosophie, mathématiques, géographie, astrologie, etc., etc. Et tout ça, j'explique dans mon livre Mitra, Dieu de soleil, le Dieu de la lumière, parce qu'il s'était imprimé plusieurs fois. Dans le livre de Mitra, que je publie en français, en persan, j'explique tout ça. Alors, tous ces gens-là, on dit disciples d'Avesta. Mais comme vous avez dit, mazdaïsme, Mitra, Zoroastrien, tous ces gens-là, Moni, Manavisme aussi, Moni, Bouddha aussi, Bouddha, c'est un disciple de Zarathustra. Même Jésus, vous savez qu'il était désigné par les rois perses, par les messagers de Zarathustra, on peut dire, le roi perse, le roi Madge. Madge, c'est Moran et Perse, c'est-à-dire les savants perses. Il a été désigné comme le sauveur des juifs. Après, il était financé, comme vous le savez, comme c'est écrit dans la Bible, était financé, a été faire sortir de danger qu'il courait. Il va aller en Égypte, qui est sous la reine de la Perse. Après, il va aller en Iran, etc., etc. Et tout ça aussi, je donnais des explications dans le livre Perse 7000 ans de civilisation, mon cher ami. Je vous écoute. Oui, en fait, Zarathustra, ça serait plutôt une conscience universelle qui se développe dans un individu à un moment donné, quoi. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire tous les grands philosophes du monde est d'accord que Zarathustra, c'est Zarathustra, voilà. Vous avez raison. Mais oui. Bon, moi, mon père, il m'en parlait quand j'étais petit. Bon, il me répétait souvent ainsi parler Zarathustra. Mais bon, là, maintenant, avec ce que vous venez de me dire, je veux dire, ça prend un autre sens. De toute façon, la vérité de tout ce qu'on vit de cet univers, il ne peut y en avoir qu'une. Et quand elle s'exprime, elle est, je veux dire, elle est indéniable. C'est rentré un peu dans tout le côté, un peu, comme on dit, spiritualité, tout ça. Alors, une autre question. Parce qu'on dit toujours, l'Iran, c'est une dictature, je ne sais pas, selon certains médias qui traitent l'Iran sur ce volet-là. Bon, moi j'ai vu qu'en Iran, le Parlement iranien, il y avait beaucoup de... Enfin, toutes les sensibilités religieuses et politiques étaient représentées, plus ou moins. Enfin, y a des Hébreux, il y a des Juifs en Iran. Et j'avais vu il y a quelques années qu'ils étaient représentés au Parlement. Et je me pose la question, parce que ces dernières années, avec cette montée d'un islamisme radical, comme on a pu le voir en Afrique ou en Irak, toute cette destruction d'anciens cultes, de cultes primitifs, de culte idolâtre, tout ça.
les statues de Banyan qui avaient été détruites. Ça avait choqué le monde entier et tout. Alors je me pose la question, la place du mitraïsme en Iran, parce que dernièrement vous avez mis donc la vidéo de la fête de Sadeh, c'était en début d'année, fin du mois de janvier je crois. Et je me posais la question là, de savoir si les autorités iraniennes, ils essayaient de freiner un peu la montée de ce culte. Et comment ça se passait sur place, parce que bon, au vu de la vidéo, je veux dire, c'est un rassemblement, il n'y avait pas l'air d'avoir de forces de l'ordre ou de sécurité nationale pour encadrer la cérémonie. Donc c'est un peu la question que je me pose, parce que dans d'autres pays on a un peu plus de mal à dire que c'est des dictatures, comme en Chine, hein, où la liberté de culte, elle est quand même beaucoup plus restreinte. Oui, mon cher ami, très bonne question. Je vous remercie beaucoup. Vos questions assez intelligentes, très intelligentes, toutes vos questions. Vous savez, en Iran, il faut séparer deux choses. Le pouvoir iranien, les ayatollahs, et le peuple iranien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la guerre des Arabes, c'est des Arabes, je précise, les Arabes contre l'Iran, par Saddam Hussein, c'est le peuple qui a sauvé l'Iran, pas les ayatollahs. C'était le peuple qui était formé à l'époque de Shah d'Iran, et qu'un an après la chute de Shah d'Iran, la guerre a commencé, ils ont sauvé. Alors après, grâce au travail qu'on a fait depuis des années, moi, surtout mes amis, mon équipe, diffusée même en Iran, le peuple iranien, il a gardé son ancienne culture, mais pas dans le gouvernement. Le gouvernement, il est toujours islamiste, islamique, et même il conteste tout ce qu'ils font, les Iraniens. Par exemple, puisque vous ne savez pas, même j'ai demandé de ne pas traduire en français, en anglais, qui reste en Iran, même les ayatollahs, les barbous, et avec le tourment sur la tête, et ils contestent Nowruz, ils contestent Sadeh, ils contestent Yalda, Christmas, Noël iranien, il conteste Pâques iranien, parce que 2 avril c'est le fait de Pâques iranien, c'est le Pessah, c'est le Pâques. Pâques, n'oubliez pas, Pâques, j'ai déjà dit, c'est un mot iranien, persan. Vous avez Pakistan, Pakistan. Mohammad Ali Jinnah, il a nommé Pakistan, Pakistan en face de l'Inde. Pourquoi? Puisque Pâques, ça veut dire, Pakistan, ça veut dire le pays qui est propre. Il a dit les autres ne sont pas propres. Pâques, ça veut dire propre. Pâkizé, Pâkdaman, Pâk, c'est un mot iranien. Même dans le christianisme, il est resté avec exactement comme on le dit en iranien. Quand on dit Pessah aussi, parce que les juifs, ils sont d'origine iranienne. Quand vous avez parlé de juifs dans le parlement iranien, l'Iran n'a pas le droit d'écarter ces gens-là de pouvoir. Ils ont deux députés, un député dans le Parlement iranien qui est 500 islamistes. Il y a deux chrétiens, mais ils ne sont pas décisifs. Vous voyez, ça c'est une décoration. Mais les Kurdes, c'est d'origine iranienne. Le faux que vous avez vu qui était tellement grand, c'était fait en Kurdistan d'Irak. Le Kurde aussi, il fait tout le fait, parce que le Kurde, origine, c'était Gord, c'est-à-dire chevalier. C'est pendant 4-5 siècles, ils étaient en pouvoir en Iran. C'est leur pays. Les Juifs, c'est d'origine iranienne. Tous les Juifs du monde, ils ne savent pas. Même Bernard-Henri Lévy, il ne savait pas. Jacques Attali, il ne savait pas qu'il était iranien. Je les ai dit, avec des preuves, les 12 tribus juifs qui étaient les enfants de Jacob, 10 étaient disparus, 2 étaient restés, mais parmi les disparus, vous avez la famille Cohen qui existe toujours. Cohen, Kahan, c'est-à-dire l'ancien, c'est un mot iranien. C'est leur pays, comme les autres peuples iraniens, c'est leur pays. Ils devaient avoir plus de pouvoir. Ça, c'était tout à fait normal qu'il faut un député soit dans le Parlement. Mais le pouvoir, mon cher ami, il est islamiste, le pouvoir, il est contre toutes les traditions, mais le peuple, 86 millions de gens, ils aiment leur culture, mais il y a 2-3 millions seulement, les Arabes,
Je ne suis pas contre les Arabes. Imaginez-vous, je vais vous préciser, je ne suis pas contre les Arabes. Les Arabes qui sont en pouvoir en Iranien, et les Arabes qui sont en pouvoir en Iranien, ils sont trop sensibles aux idées de désert d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Pourtant, que l'Arabie Saoudite est sortie de cette pensée islamiste avec Mohammed Ben Salman, mais en Iran, tous ces gens-là, ils sont très arriérés, les gens de pouvoir. Mais le peuple, c'est autre chose. En plus, je veux vous préciser que le chiisme que vous avez entendu, chiisme iranien, c'est une sorte de zoroastrien qui a été fabriqué dans l'islam. Tous les chiites ne sont pas musulmans. Ils ont pris les éléments de Zarathustra. Je ne parle pas de pouvoir, parce que le pouvoir aussi dit qu'il est chiite. Mais le peuple, quand il a pris tous les symboles de zoroastrien, il a mis dans l'islam, au nom de l'islam, au nom de chiite, c'est autre chose, mon ami. Je vous écoute. D'accord. Bon, moi, ce que j'ai toujours senti sur l'Iran, c'est quand même la société civile est quand même très structurée en Iran. J'ai l'impression. Je veux dire, elle est quand même très forte, plus que dans les pays du Nord occidentaux. Je veux dire, l'Iran, moi, j'ai toujours eu cette image d'un pays moderne, hein, d'un pays moderne et où la société civile, je veux dire, elle est très engagée, quoi. Alors, après, bon, comment dire? Je me suis un peu perdu là, mais moi c'est cette image. Moi je me rappelle d'avoir vu dans des vieux films ou dans des documentaires, la société iranienne dans les années 70, je veux dire, c'était une société comme les gens ils vivaient à l'occidental. Hein, après c'est toujours l'image qu'on a dans les grandes villes, des grandes villes, tout ça. Mais je veux dire, les Iraniens, ils n'étaient pas très différents des Américains ou des Français ou des Belges. Ou je veux dire, le mode de vie, il était semblable aussi à l'uniformisation du monde tel qu'on l'a subi aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison, mon cher ami, puisque je vais vous dire quelque chose. Plusieurs photos ont été sorties de Madame Donald Trump. Elle était habillée exactement, même habillement, il y a 40 ans, de la femme de Shah d'Iran. Madame Brigitte Macron, qui est là, et que je le salue, Brigitte, elle était amoureuse de monarchie iranienne, de Farah. Elles suivent les modèles de Farah Diba. Ça, vous avez tout à fait raison. À l'époque, regardez sur l'internet, vous allez voir André Malraux, ministre de la Culture, général de Gaulle, grand salut pour le général de Gaulle, comment ils ont accueilli le Shah d'Iran ici, en France, et comment Shah d'Iran, il a aidé la France pour le nucléaire, comment il a aidé pour fabriquer plusieurs centres commerciaux en France, etc. Ça, vous avez tout à fait raison, c'était exactement comme ça. Restez avec moi, nous avons Marc aussi, ça fait longtemps qu'il attend. Si vous permettez, je prends Marc aussi, vous pouvez rester encore, continuer. Marc, bonsoir, comment allez-vous? Allô, Marc? Allô? Marc, c'est un allô. Bonsoir, Marc. Marc, il est là. Monsieur Abbassi, il m'a semblé, il y a quelques mois, que vous étiez très informé sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce pays aussi. Qu'est-ce qui va se passer c'est quoi cette dictature qui ne dit pas son nom c'est quoi? C'est de la corruption par rapport au pouvoir américano-chinois, européen, enfin je sais pas, moi je connais rien du tout, mais c'est quoi, s'il vous plaît? Quel pouvoir exactement, Marc? Écoutez, ce pays, pour moi, il est rentré en dictature, une dictature qui ne dit pas son nom. Ça fait un an que
on vit ce qu'on vit, et est-ce que ça va durer? Est-ce que, d'après vous, le nouveau monde, c'est ça, c'est cette vie de merde dans un schéma civilisationnel de merde, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Marc, vous parlez de la France? Vous parlez de la France? Oui, je parle de la France, oui. Marc, je ne connais pas le monde, hein, je connais un peu la France. Vous savez, malheureusement, ce soir, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écouté une professeure française, Dr Firouze Banichat. C'est une grande chercheure dans le domaine d'infection. Elle est formidable, même elle a sauvé au départ l'année dernière plusieurs. Malade de corona, ce soir elle disait qu'elle ne pouvait plus faire depuis l'année passée. Comme vous venez de dire, il y a une dictature qui est déjà placée dans la question santé à cause de corona, puisque le coronavirus, il est mortel, il tue les gens réellement. Alors, Oui. Excusez-moi, je me permets de vous couper, mais je ne connais personne qui est décédé de ça. Je ne connais personne qui est décédé de ce truc-là. Est-ce que vous avez... vous connaissez le médecin? Mon père l'a attrapé, il est âgé. Oui. Et bon, ça a été, quoi. Il était malade une semaine, et puis... Oui, oui, comme on dit, mon cher Marc, il y a 10, même peut-être... Mais c'est peut-être moi, 10% ou 1% des gens qui meurent. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous savez, de toute façon, ce qu'on dit, je veux vous dire, voilà, si c'est ça que vous voulez que je veux dire. À cause du coronavirus chinois, on va nous installer un système qui ne va pas être un ancien système. Sûr et certain, point final. Alors pour partir, pour prendre la fuite de ce système, il faut... un miracle. Mais de l'autre côté, Marc, permettez-moi de vous dire quelque chose. Moi, puisque je suis en contact avec plusieurs médecins, des hôpitaux, des pharmaciens, ils ne vont pas mentir. Tout le monde ne peut pas mentir, mon cher ami. Il y a... Le corona existe, il tue les gens, il fait tomber les gens, il y a plusieurs vagues. Et autre chose qui est très importante, Marc, plusieurs présidents de la République dans le monde, ils ont annoncé que nous sommes en guerre, c'est-à-dire c'est une guerre. Macron était première, après Bibi, Benjamin Netanyahu. Mais Macron, il est en guerre contre les Gilets jaunes. Alors, ça aussi, il est en guerre contre le monde salariat dans ce pays. Je veux dire, Macron, d'où il sort, c'est un type qui est arrivé, qui est président, et qui... Moi, je n'ai jamais vu ça dans ce pays-là. Je suis né au XXe siècle, je suis vieux maintenant, et cette réalité m'affecte. Pour le corona, j'ai vécu des années parmi les gens, j'ai fait un métier où je rencontrais plein de gens tous les jours, et donc... forcément des gens du monde entier, donc je n'ai jamais rien attrapé. À Paris, tous les hivers pendant 4 mois, on a un rhume, c'est chronique. Le corona, je ne connais pas, je n'arrive pas à y croire, et je n'arrive pas à croire que autant de gens puissent accepter cette propagande et de voir tous ces gens masqués dehors, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je me permets de vous téléphoner, parce que il y a plus d'un an, vous aviez quand c'est arrivé, vous aviez très très bien polémiqué par rapport à ça. Vous nous aviez parlé de open society, des sociétés hybrides américano-européennes qui s'étaient installées depuis longtemps en Chine, et donc à travers des consortiums avaient attiré un maximum de d'entreprises, et donc là-bas elles étaient débridées parce que elles avaient affaire à une population innombrable, soumise, presque esclavagisée. Donc qu'est-ce
qu'est-ce que va être le nouveau monde, monsieur Abbassi, si vous pouvez répondre éventuellement. Merci. Mortel. Mortel, ça va être le nouveau monde, ça va être mortel, catastrophique, dictateur, comme vous venez de dire. Alors, je suis le même David Abbassi qu'il y a déjà quelques années. Pas 2020, 1980, 85, 90, c'est le même David. Mais je veux vous dire une chose, mon cher ami. Actuellement, l'ennemi, il est trop avancé que nous ne pouvons rien faire. C'est, en plus d'autre chose, mon cher ami Marc, tu viens de dire que j'ai tout dit. Alors, vous ne voulez pas que je vienne ici répéter tout ce que j'avais déjà dit. Ah, voilà, j'avais tout dit dès le départ, 2020, j'ai commencé, je vous ai tout dit. Si, comme tu viens de dire, je te remercie beaucoup, j'ai tout dit. Tout dit. Alors même, je vous dis comment ils ont pas... Mais malheureusement, le projet... Oh, il dit des complots, complotistes, tout ça, oubliez, vous dites des projets. C'est écrit, et c'est exécuté, et ils sont en train de gagner cette guerre. Pourquoi? Puisque déjà, il avait préparé de planter leur pognon, leur marionnette dans une grande partie sensible du monde. Ils sont là, terminés. Et comme je viens de te dire, malheureusement, il faut attendre un miracle. Ce miracle, je ne sais pas s'il va arriver ou non, ou comment il va arriver, mais malheureusement, le nouveau monde... Ça va être tellement difficile, surtout pour... Il ne faut pas oublier, mon cher Marc, une grande partie des gens riches, des capitalistes, ils vont perdre leur capital. C'est-à-dire, le couche sociale va changer également. Même, je vous ai dit il y a déjà un mois, même, je vous ai dit, mon cher ami, que même parmi eux, il y a la guerre. C'est-à-dire comme ils ont peut-être... Et Steve Jobs, il est parti, puisqu'il ne pensait pas comme les autres. Actuellement, je sais que beaucoup de gens qui ne connaissent pas des choses, ne savent pas des choses, Elon Musk, vous le prenez comme les autres, mais Elon Musk n'est pas comme les autres. Elon Musk aussi, les gens comme Elon Musk, peut-être ils vont les faire disparaître comme Steve Jobs. L'OTAN n'est pas bien, malheureusement, puisqu'il y a la guerre aussi entre eux. Moi, je vous ai dit, même Elon Musk lui-même, c'est-à-dire lui-même, il avait considéré Bill Gates un démon, un diable, et lui-même Dieu, blanc, l'autre c'est noir. Il a fait un dessin sur son page d'Instagram. Et après ça, il a perdu plusieurs milliards de dollars parce que son bourse a chuté et il a perdu de l'argent. Et après, la polémique entre eux-mêmes aussi, ça continue. Et de l'autre côté, la guerre entre Mark Zuckerberg et les autres, c'est-à-dire déjà, il y a une guerre aussi entre eux. Peut-être, Mark, puisque tu dis que je vais te donner mon idée. Et si ce système arrête, peut-être après la guerre entre eux-mêmes, entre les généraux, les généraux de ce système mondial. Mais malheureusement, ils avaient tout préparé. Vous savez, j'avais déjà dit, je ne vais pas répéter, ils avaient fabriqué des universités, apporté des universités des étudiants, apporté des étudiants des professeurs, après des maires, et les mairies du monde entier étaient très intéressantes pour eux, même ils se sont plantés en Iran. En Iran, moi j'ai diffusé les documents que le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, lui-même, il vient dans le Parlement iranien, il dit « Open Society existe dans notre pays, patati, patata, etc. » Et il gère ça parce qu'il vient avec les casquettes d'humanisme, ONG et beaucoup d'autres choses. Ça fait des années qu'ils sont bien tout préparés. Je vous ai diffusé ici les paroles de l'ancien maire de New York, Andrew Giuliani, conseiller de président américain. Il disait qu'ils ont fabriqué des procureurs de la République, tatati, tatata, titata. Et les gens qui ne sont pas dans le coup, il faut les balayer, écraser. C'est-à-dire, c'était le cerveau, Marc, le cerveau de ce système, le philosophe de ce système, c'est un génie. Il a bien calculé, il a bien réussi, il a bien écrit, il a bien gagné son coup. Maintenant, c'est lui qui est le gagnant, non?
Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec mon antenne ici et maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire à partir de chez toi? Oh, ils sont tellement forts que maintenant, n'importe quoi, donne-moi si tu mets à ce sujet-là sur YouTube, ton truc, il est éliminé. C'est-à-dire, comme je dis au départ de mon émission, Ben Laden, tu diffuses autant de choses que tu veux, de terrorisme, de versets, de patati. Oh, il faut porter plainte, il faut des gens qui contestent et tout. Mais par contre, le système de l'appareil sont bien programmés que si tu contestes ce système nouveau, l'ordre mondial, le nouveau monde, tout est éliminé. C'est-à-dire, la dictature est déjà en place. Cette dictature-là, c'est dans le monde entier. Ils ont réussi. Il ne faut pas oublier, mon cher ami. Je ne sais pas si vous suivez ou non l'Amérique. Si vous voyez ou non monsieur le président Joe Biden, ils ont réussi de faire shooter président américain, et comme il avait juré, il a mis Biden. Biden ne sait pas même pas marcher, ne sait même pas parler, et chaque jour, il y a des choses qui sont publiées dans les médias. Ça, ce n'est pas censuré. Vous pouvez écouter. Hier, il était en train de parler, il a dit oui, je veux faire comme j'ai fait il y a déjà 120 ans. Au lieu de dire 12 ans, je crois, ou il voulait dire 10 ans, ou 12 ans, il a dit 120 ans. C'est-à-dire, ils ont un problème aussi de la santé, problème de la marche, je ne sais pas si vous avez vu ou non, ils ne pouvaient pas monter les marches, quelques marches, et c'est, ils ont fait exprès, ils vont vous dire, au monde entier, c'est qui la grande puissance? C'est l'Amérique? Voilà, j'ai décidé de mettre ça comme président, j'enlève Trump, et il a réussi. Vous voyez, Marc, voilà mon cher ami. Oui, très bien, mais tout ça, ça va durer longtemps, je veux dire. Malheureusement, l'ancien monde, c'est fini pour une grande partie du monde. l'ancien monde, c'est fini. Le nouveau monde, on ne sait pas comment ça va aller pour nos enfants. Là, oui. Ouais, mais ça, le nouveau monde, c'est un leitmotiv macroniste. Macron, c'est rien de tout. Écoutez, je te dis quelque chose, mon cher Marc. C'est lui qui en parlait. Il ne faut pas tenir toujours. Et je vous dis une chose, s'il te plaît. Vous voyez, il ne faut pas tenir aux soldats. Si vous prenez aux soldats, Macron, il est président de la France. Mais ce système, il est mondial. Ce système est mondial. C'est le système mondial que vous devez. On doit élargir le champ de savoir, de conscience et de combat. Il ne faut pas cibler toujours Macron. Je te dis une chose, Marc. Je vous assure, croyez à David Abbas. Si vous êtes nombreux, si vous êtes nombreux, pas gilets jaunes, allez attaquer, casser, patati patata, parce que les casseurs, ce n'est pas les gilets jaunes, les casseurs, c'est autre chose, ils viennent je respecte les gilets jaunes. Mais par contre, les gilets jaunes, si eux-mêmes, ils empêchent les gens de casser, par exemple, hein, et ils disent, voilà, nous sommes 1 million, 2 millions, 5 millions, on veut, monsieur le président, venir parler avec vous. Au lieu que lui, il vienne parler avec vous dans la mairie, je ne sais pas où, gilets jaunes, ils font parti politique. Après, vous allez parler avec Macron, beaucoup de choses, ça peut changer. Même jusqu'à maintenant, je ne vais pas vous dire la totalité des choses que je sais sur l'antenne, puisque nous sommes en guerre. Quand vous êtes en guerre, il ne faut pas dire la totalité de secret. Non, la secret, il ne faut pas dire. Macron, il a dit que nous sommes en guerre. Après, ils nous ont volé les masques. Après, ils nous ont volé les vaccins. Ils nous ont envoyés en Grande-Bretagne. Ça aussi, il faut savoir. Mais je vous dis une chose. Si vous faites votre parti politique, vous allez gagner. Pardon ? Oui, mais vous avez certainement raison. J'ai du mal. Ça va aller, puisque on arrive à l'heure et que je dois vous quitter, Marc. Oui. Je vais t'embrasser et je t'embrasse. Guy aussi, je suis désolé, tu es parti, tu n'as pas pu conclure tes paroles. Mes amis, permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. L'intelligence que vous avez, comme vous participez sur cette antenne, je vous admire, je vous embrasse. N'oubliez pas, à 2h du matin ce soir, ça va être 3h du matin, restez sur cette antenne, et tout après-midi, tous vos débats avec Morgan, que j'écoute de temps en temps, je vois que vous êtes tellement intelligent, je vous embrasse, je suis fier de travailler pour vous,
gratuitement, comme Didier, notre président aussi, il travaille gratuitement depuis des années, pour vous, pour la conscience du peuple, expression de vos pensées. Et je vous dis une chose, mes chers amis, n'oubliez pas, chaque individu, il peut faire quelque chose. Chaque individu. La plus grande personnalité dans le monde, il était debout. Une personne a pris là pour ramasser plusieurs millions derrière lui. Qu'il soit Mao, Lénine, De Gaulle, tous les partis politiques, François Mitterrand, etc., etc. Pour ça, gilets jaunes, faites votre parti politique. Faites une parti politique, allez enregistrer votre parti politique, participez dans les élections, il y a du temps pour l'année prochaine. Si vous gagnez, vous avez gagné. N'allez pas derrière les dinosaures politiques qui existent. Tous ces gens-là, c'est des dinosaures. Tout ça, c'est manipulé, les anciens, et ils ne savent pas des choses. Peut-être la jeunesse, nouvel ordre mondial, le nouveau monde, ils demandent des nouveaux partis politiques. Je vous prie d'aller, c'est très simple. C'est très simple. Allez enregistrer une partie nommée Gilets jaunes. Vous allez ramasser plusieurs millions de personnes, vous allez gagner, vous aurez des sièges partout, vous pouvez changer le monde. Nous pouvons changer le monde. Nous pouvons changer la destinée. Maktoub. Maktoub et destinée, c'est écrit par les êtres humains, par les gens que vous le connaissez, que j'ai cité leur nom. Mais vous aussi, vous pouvez être parmi les gens qui changent le monde. Moi-même, David Abbassi, depuis 45 ans de mon combat en langue arabe, français, perse, j'ai changé le monde. J'ai changé des choses. Ce n'est pas moi que je le dis. Si vous comprenez l'iranien, vous allez voir tout ce qu'ils disent. On a changé, on peut changer le monde. Debout, créez votre parti politique. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine. Et samedi prochain, je serai avec vous. Merci, au revoir. Et maintenant, t'as raison, c'est ici et maintenant.